Ce que nous nous sommes amusés l'an dernier à la distromarche de la Fondation Tenequip. Bonjour et bienvenue à la distromarche de la Fondation Tenequip édition 2021. Quel plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Ryan Edgar. Je suis pompier à la retraite et très fier de faire partie de la famille DMC depuis 1996. Cette année, je suis au Costa Rica, mais je ne vous ai pas oublié pour autant. Vous vous souvenez sans doute de mon cours de l'an dernier, Jack? Tu es bien là? Bonjour, Ryan. Ça fait plaisir de te revoir. Où vas-tu marcher, toi, aujourd'hui? Comme je l'ai dit déjà, je participerai à partir du Costa Rica. Quel beau pays! Je trouvais que ça ne ressemblait pas beaucoup au Canada. C'est ce qu'il y a de bien avec les événements virtuels. Même si les rencontres en personne nous manquent, on peut participer peu importe où on se trouve. Nous avons prévu un grand spectacle avec des invités fantastiques, des histoires et des divertissements. Et même si je suis très heureux d'être de retour, Ryan et moi, nous passons nos responsabilités d'hôtes à deux nouveaux amis et supporters de DMC. Will, es-tu là? Salut, Jack. Je suis vraiment heureux de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui pour la Distromarche Fondation Tenequip. Je suis Will Truman, un pompier de la province de Québec. Ma participation aux activités de dystrophie musculaire Canada a commencé dès mon enfance, lorsque mon petit frère Joe a reçu un diagnostic de Duchenne. Joe est malheureusement décédé en 2005 à l'âge de 27 ans, alors que j'en avais moi-même 29. Plus récemment, j'ai eu le plaisir de créer une équipe afin de participer au défi gratte-ciel de dystrophie musculaire Canada. Dès ma première participation, il y a quelques années, j'ai eu l'honneur d'être jumelé un ambassadeur, c'est-à-dire un enfant lui-même atteint d'une maladie neuromusculaire. Le brave petit Liam de Sorel-Tracy a été mon premier capitaine honoraire. Salut Liam! Quelques années plus tard, j'ai rencontré mon nouveau capitaine, le petit Malek, et son frère jumeau Marcus. Salut les boys! Et c'est précisément la raison de ma participation continue aux activités de dystrophie musculaire Canada à titre de bénévole. Le sens du devoir envers le courage exemplaire des enfants et adultes atteints de maladies neuromusculaires. Brian? Merci, Will, de nourrir la relation entre la distromarche et les pompiers. Cette année, la co-hôte de Will sera Dale Sheehan. Dale, tu es là? Bonjour, je m'appelle Dale Sheehan de Calgary en Alberta. DMC fait partie de ma vie depuis que, enfant, j'ai appris que j'avais une maladie neuromusculaire rare. Je suis reconnaissante de son soutien et de ses encouragements. C'est un honneur pour moi d'être co-hôte de la Distromarche 2021. Merci Ryan et Jack, vous avez été des hôtes formidables l'an dernier. Amusez-vous bien en toute sécurité lors de la Distromarche après l'émission d'aujourd'hui. Avant de poursuivre, je voudrais vous rappeler que c'est grâce aux appuis communautaires indéniables de la Distromarche de la Fondation Tenequip peut avoir lieu. Je tiens donc à remercier le commanditaire principal, la Fondation Tenequip, qui appuie de longue date la DMC. Ainsi que le commanditaire national Rocher Robitaille Équipement et nos commanditaires médias Global News, Global Saskatoon, Global Regina, Global Calgary, Global Edmonton, Global Winnipeg, Global Atlantique, Global Montréal, Global Toronto, 680CJOB à Winnipeg et 770CHQR de leur appui inconditionnel. Et en parlant de commanditaires, nous avons avec nous Anthony Farnell, météorologue pour la station Global, qui vous dira à quoi vous attendre si vous sortez marcher aujourd'hui.
Merci, William. Oui, j'annonce les prévisions météo tous les soirs à 17h30 et 18h. Disons que je fais la pluie et le beau temps. Je suis aussi un grand allié de Dystrophie musculaire Canada et surtout de la Dystromarche depuis des années maintenant. C'est malheureux que cet événement-ci soit virtuel, mais tant d'événements caritatifs l'ont été au cours de l'année écoulée et nous sommes si près de retour à la normale. Où que vous soyez et quel que soit le temps qu'il fait dans votre collectivité, c'est toujours une bonne journée pour la Dystromarche au Canada. Puis, il faut aussi avouer que ça peut être amusant de marcher sous la pluie. Je crois savoir que des équipes de longue date sont de retour, comme l'équipe Muscle Rescue en Colombie-Britannique, qui aura droit à une belle journée. L'équipe Tyler Monday en Saskatchewan, où ce sera plutôt venteux, mais quand même. N'oubliez pas de vous habiller en conséquence. L'équipe Wheeling for the Walk en Ontario et l'équipe Frankie au Nouveau-Brunswick. De ce côté-ci, il fera également beau pour vous. Merci de votre soutien indéniable. Merci à tous ceux et celles qui participent à la Dystromarche pour soutenir la communauté des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. N'oubliez pas de mettre vos photos sur les médias sociaux en utilisant le dièse de la Dystromarche afin que nous puissions voir comment vous avez choisi de marcher ou de rouler cette année. Et si, bien sûr, mes prévisions étaient exactes. À vous, Dale. Merci, Anthony. J'ai moi aussi bien hâte de voir ces photos. Alors, si on se mettait en route, permettez-moi de vous présenter les talentueux Mark et Sergey Krutik. Mark, à qui on a diagnostiqué la dystrophie musculaire de Duchenne, s'est mis à jouer de la trompette à 11 ans, inspiré par de proches amis, enseignants, membres de la famille, notamment son père, et de nombreux grands trompettistes. Mark a maintenant 25 ans et il encourage tous et toutes à concrétiser leurs rêves. Selon Mark, le fait que l'on ait un handicap ne devrait pas nous empêcher de faire ce que l'on aime. On peut le faire, tout ce qu'il faut, c'est la volonté de le faire et une attitude positive. Surtout, il faut s'en croire capable et ne laisser personne nous empêcher de réaliser ses rêves. Mark, Sergey, à vous. Merci beaucoup, Mark et Sergey. Quelle belle façon de marquer le coup de départ de la Dystromarche 2021 de la Fondation Tenaqui. Je voudrais vous signaler que nous avons fait de notre mieux pour vous offrir du contenu en anglais et en français parce que les participants et les participantes à la Dystromarche viennent de partout au pays. Mais ne vous faites pas de soucis si vous n'êtes pas bilingue. Nous pouvons compter sur les bons services de notre interprète Nicole Gagnon. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Je veux souligner quelques équipes extraordinaires du Québec. Équipe Isabelle Rioux-Mathieu et Robitaille Équipement, pour Alex, et Team Moving Muscles. Ce qui rend cet événement vraiment unique, c'est qu'il rassemble toute la communauté de Dystrophie musculaire Canada. Clients, pompiers, sections locales, chercheurs, professionnels de la santé, bénévoles, supporters, donateurs, membres du conseil d'administration et le personnel de Dystrophie musculaire Canada. Mais nous sommes plus qu'une simple communauté. Nous sommes une famille. Il me peine toutefois de vous dire qu'au cours de l'année écoulée, nous avons perdu des êtres chers, amis, membres de la famille et proches. Marquons une pause, le temps de les rappeler à notre souvenir et de leur rendre hommage. Merci tout le monde. Notre famille de la Dystromarche inclut chacun d'entre vous qui assistait à notre événement virtuel aujourd'hui. Tous ceux et celles qui s'inscrivent et qui recueillent des fonds, et les généreux donateurs qui soutiennent nos participants. Nous annoncerons le grand total des fonds que nous avons collectés ensemble un peu plus tard, alors assurez-vous de rester avec nous pendant les 40 prochaines minutes. Vous aurez l'occasion d'assister à un excellent spectacle, d'entendre des histoires inspirantes et un message officiel de la part de nos partenaires pompiers qui sont aux côtés de Dystrophie musculaire Canada depuis plus de 65 ans. J'aimerais maintenant vous présenter Stacy Linton, chef de la direction de Dystrophie musculaire Canada. Stacy?
Merci, William. Bon après-midi et bienvenue à la Distromarche 2021 de la Fondation Tenaquip. Merci de votre soutien renouvelé alors que nous marchons et nous roulons virtuellement à l'unisson pour une deuxième année consécutive. Sans votre soutien et votre dévouement sans borne, Dystrophie musculaire Canada ne pourrait pas offrir ses programmes et ses services, militer en faveur de changer les choses pour le mieux et investir dans la recherche transformationnelle. On ne le dira jamais assez. Merci. J'aurais souhaité que nous puissions nous revoir en personne cette année, comme dans le passé, mais la pandémie perdure et votre santé et sécurité demeurent notre priorité. La technologie nous permet toutefois de nous rassembler tout en pratiquant l'éloignement social. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de renouer les uns avec les autres, ne serait-ce que virtuellement, la grandeur du pays. Si vous êtes à votre première expérience de la Distromarche, bienvenue. Depuis mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a changé notre vie au quotidien. DMC n'a pas été épargné. En effet, il y a eu une baisse importante des fonds recueillis en même temps qu'une hausse de la demande pour nos programmes et nos services. Mais nous persévérons. Nous continuons de travailler sans relâche pour soutenir les clients et leurs familles dans toute la mesure du possible, malgré les temps incertains et difficiles. Je remercie du fond du cœur les bénévoles, les pompiers, les donateurs, les commanditaires, les partisans, les partenaires et les employés, tous et toutes extraordinaires qui appuient la Distromarche de la Fondation Tenaquip. Nous vous sommes reconnaissants de votre temps, de vos efforts pour lever des fonds et de votre soutien. Fort de vos appuis, nous pourrons continuer de faire une différence dans la vie des Canadiens et des Canadiennes atteints de maladies neuromasculaires. Je voudrais maintenant vous présenter Donna Nixon, présidente du Conseil d'administration de Dystrophie musculaire Canada. Mais avant de lui céder la parole, je voudrais la remercier de ses efforts et de ceux de son équipe, les Boardwalkers. Merci, Stacy. Oui, les Boardwalkers sont de retour. Notre équipe attend vraiment avec impatience cet événement chaque année, ainsi qu'un peu de compétition amicale avec les autres membres du conseil d'administration, le tout dans le but d'amasser des fonds pour aider nos clients et la communauté neuromusculaire. Au nom du conseil d'administration de Dystrophie musculaire Canada, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la Distromarche Fondation Tenaquip 2021. En tant que présidente du conseil d'administration, je tiens à saluer particulièrement tous les bénévoles qui travaillent sans relâche pour organiser la Distromarche chaque année. Bien que nous ne puissions pas nous réunir en personne cette année encore, nous comprenons le rôle important que vous jouez dans la réalisation d'événements comme celui-ci. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites chaque jour pour Dystrophie musculaire Canada. J'espère que vous aimeriez notre émission et j'ai bien hâte de voir toutes vos photos sur les médias sociaux. Merci à tous et prenez soin de vous. Merci Stacy et Donna. Il n'y a pas mieux que les partisans de la DMC et cette année, nous sommes heureux d'ajouter les champions de la recherche à cette liste. Cette année, nous voulions que la Distromarche mette en lumière l'incidence de la recherche et qui mieux pour nous en parler que les chercheurs et les cliniciens qui s'échinent pour améliorer les diagnostics, les traitements et ultimement trouver un traitement curatif pour les Canadiens et les Canadiennes qui bénéficient de ces avancées. Nous allons donc commencer par faire la connaissance de ces champions de la recherche de la Distromarche. Bonjour, je m'appelle Gerald Pfeffer et je suis clinicien-chercheur à l'Université de Calgary en Alberta. Je travaille sur les maladies génétiques neuromusculaires et, grâce à vos soutiens, nous allons pouvoir en apprendre davantage sur les meilleurs moyens de diagnostiquer ces maladies et, espérons-le, de les guérir. Bonjour, mon nom est Martine Tétrault. Je suis chercheure au Centre de recherche du CHUM de Montréal. Je travaille dans le domaine de la génomique pour mieux comprendre les maladies neuromusculaires comme les myopathies et les dystrophies musculaires. Grâce à votre soutien, nous pourrons aider les patients à obtenir un meilleur diagnostic, un meilleur suivi, ainsi que, ultimement, développer des nouveaux traitements. Bonjour, je m'appelle Robert Parks et je suis chercheur à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa. Je suis également le président du Comité consultatif médical et scientifique de DMC. Grâce à votre soutien, nous pouvons poursuivre nos recherches afin d'améliorer notre compréhension de la cause sous-jacente des MNM et de développer de nouvelles options thérapeutiques pour ces maladies. Mon nom est Nicolas Christian. Je suis clinicien avant tout et chercheur à Québec en maladie neuromusculaire pédiatrique. Grâce à votre soutien, nous pourrons
soutenir la recherche en maladie neuromusculaire pédiatrique, entre autres à Québec, découvrir de nouvelles maladies, proposer des options thérapeutiques aux patients atteints de maladies neuromusculaires pédiatriques. Comme vous le savez, beaucoup d'opportunités se présentent pour, entre autres, les maladies comme l'atrophie musculaire spinale ou la dystrophie musculaire de Duchenne. Bonjour, mon nom est Bernard Brèche, je suis un chercheur clinicien en maladies neuromusculaires à l'Hôpital et Institut neurologique de Montréal. Je travaille dans le domaine des maladies neuromusculaires, en particulier la neurogénétique. Grâce à votre soutien, nous pouvons et pourrons continuer à développer des traitements plus spécifiques pour les maladies neuromusculaires au Canada et de cette façon améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. La Dystromarche Fondation Ténéquip permet à Dystrophie Musculaire Canada de recueillir des fonds indispensables en appui à la communauté canadienne des maladies neuromusculaires. Nous avons hâte de nous joindre aux membres de la communauté à travers le pays pour cet événement virtuel important qui se veut aussi inspirant et amusant. Bonjour, je suis la Dr. Esma Amin et je suis clinicienne-chercheure au Hospital for Sick Children à Toronto, au Canada. Je travaille dans le domaine des maladies neuromusculaires pédiatriques, en particulier pour les enfants qui ont besoin d'une technologie respiratoire à domicile. Avec votre soutien, nous pouvons travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie de ces enfants. Quel groupe de personnes extraordinaires! Les champions de la recherche de Dystromarche ont été choisis en fonction de leur contribution scientifique à la communauté des maladies neuromusculaires et à la famille de Dystrophie musculaire Canada. Nous sommes très chanceux de les avoir dans notre équipe. Merci les champions de la recherche pour tout ce que vous faites pour la communauté des maladies neuromusculaires. Au cours de la dernière année, Dystrophie musculaire Canada a réussi à naviguer à travers la pandémie, à réévaluer ses priorités et à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire continuer à investir dans des projets de recherche qui changent des vies. En fait, DMC vient de financer 7 nouvelles subventions de recherche en 2021 et à soutenir les Canadiennes et Canadiens en offrant des services et des programmes à un moment où les demandes augmentaient et la capacité de fournir ces ressources diminuait. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à la vice-présidente Programmes et services, Marie-Hélène Bolduc, qui a aidé à diriger l'équipe de Dystrophie musculaire Canada pendant cette période difficile. Marie-Hélène? Merci, William. L'année qui vient de passer a été difficile pour notre communauté. La pandémie continue de présenter de nouveaux défis, mais elle nous a aussi permis d'être créatifs et de démontrer notre grande résilience. Ensemble, nous traversons cette période sans précédent et nous trouvons de nouvelles façons de nous soutenir mutuellement. Au début de la pandémie, la demande pour nos programmes et services a augmenté. Nous avons rapidement commencé à offrir notre soutien de façon virtuelle et avons pu créer des liens avec des rencontres de réseautage, des fins de semaine pour les proches aidants, des réunions virtuelles et plus encore pour aider notre communauté. L'année dernière, nous avons eu plus de 24 000 interactions avec notre communauté et avons fourni un soutien par courriel, par courrier, à l'aide de réunions virtuelles et d'appels téléphoniques. De cette façon, nous avons aidé nos clients à naviguer dans des systèmes complexes, notamment les équipements, le logement, les transports, les finances et la santé mentale. Évidemment, nous avons été en mesure de continuer à faire de la sensibilisation dans les écoles, mais de façon virtuelle. Et grâce à notre programme d'équipement, nous avons fourni du financement afin que 910 clients aient accès à l'équipement et au traitement dont ils avaient besoin. Tout cela n'a été possible que grâce au soutien que DMC reçoit des Canadiens comme vous. Grâce aux participants à la marche, aux donateurs, aux bénévoles, aux commanditaires et aux pompiers, DMC a pu continuer à répondre aux besoins de la communauté des maladies neuromusculaires. Encore une fois, merci de soutenir la Dystromarche et les Canadiens d'un océan à l'autre. Merci Marie-Hélène. Si vous voulez en savoir davantage sur les programmes et services de DMC, rendez-vous au site muscle.ca après l'émission, bien sûr. Grâce à la générosité de la collectivité, DMC a pu venir en aide à de nombreuses personnes et leurs familles dont nous allons maintenant faire la connaissance. Bonjour, je m'appelle Nathaniel. Moi, c'est qui? Nous sommes tous les deux atteints de l'amyotrophie spinale. Grâce à Dystrophie musculaire Canada, notre autonomie a été améliorée grâce à l'abri d'entrée ainsi que le lève personne qui nous permet de jouer et de faire des exercices au sol. Merci. Merci. Hi,
Bonjour, je m'appelle Julie et grâce à DMC, j'ai pu m'épanouir et acquérir des qualités de chef. Je veux donc partager avec vous mon parcours pour sensibiliser et établir des liens avec la communauté neuromusculaire. J'ai eu l'occasion de participer aux campagnes de sensibilisation de DMC et de jouer un rôle de leadership en permettant aux jeunes de tisser des liens grâce à des activités de réseautage. J'ai eu l'occasion de m'adresser à plus de 200 pompiers. Je suis même devenue pompier honoraire. J'espère que vous passerez tous un excellent moment en marchant ou en roulant, en pratiquant l'éloignement. Bonjour, je m'appelle Danielle. Grâce au réseau DMC, j'ai pu entrer en contact et entendre des histoires inspirantes sur le parcours des personnes atteintes de dystrophie musculaire, ce qui m'a permis de réaliser que je n'étais pas seule. Faire partie du réseau est important pour moi, car je sais qu'on est là pour m'apporter du soutien, répondre à mes questions et me donner des conseils. Cela m'a aidé à m'épanouir, à être fière de mes réalisations, qu'elles soient petites ou grandes. Faire partie du réseau MDC m'a donné envie de m'impliquer davantage dans le réseau lui-même et de venir en aide à d'autres. Je m'appelle Catherine Boivin. Je suis atteinte d'amyotrophie spinale et je suis fière de travailler de concert avec Dystrophie Musculaire Canada pour la défense des droits des Canadiennes et des Canadiens atteints de maladies neuromusculaires. Dystrophie Musculaire Canada fait un travail essentiel pour avancer le développement et l'accès au traitement et un meilleur accès aux soins partout au Canada. Merci de votre soutien. Je m'appelle Michael. DMC m'a permis d'en savoir plus sur le risque accru de complications liées à la COVID-19. Je suis atteint de dystrophie musculaire de Becker et grâce à DMC, j'ai pu être vacciné en priorité. Merci, DMC. Bonjour, mon nom est Jasmine Côté. Je suis de la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à Dystrophie Musculaire Canada et ses rencontres de réseautage, j'ai pu, avec ma fille Sarah, bénéficier de judicieux conseils d'experts tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Ray et je voudrais vous dire quelques mots sur Dystrophie Musculaire Canada qui m'a vraiment aidé à acquérir une plus grande part d'autonomie. J'en avais assez de rouler dans ma vieille fourgonnette et de faire appel aux amis et à la famille pour qu'ils m'accompagnent à la chorale, à la piscine et à mes rendez-vous sociaux. J'ai donc décidé de faire l'achat d'une nouvelle fourgonnette et, à ma grande surprise, le prix d'achat était drôlement plus élevé. Je suis donc entrée en contact avec Dystrophie Musculaire Canada qui s'est empressée de me venir en aide. On m'a aidé avec les commandes manuelles, les commandes de freinage, les mécanismes pour placer mon fauteuil au volant et les commandes de direction. On m'a aussi aidé avec l'achat de la fourgonnette. Merci, Dystrophie Musculaire Canada. Mon autonomie est d'autant plus grande. Je suis ergothérapeute en soutien à domicile en déficience physique. Grâce au webinaire offert par Dystrophie Musculaire Canada, j'ai acquis de nouvelles connaissances sur le système de contrôle de l'environnement. Elles me permettront de mieux soutenir les personnes atteintes d'une condition neuromusculaire. Je m'appelle Jamie Koshberg-Siv et je suis enseignante à l'école publique Discovery du York Region District School Board. Les élèves de la 5e et de la 6e année ont eu le privilège d'entendre la présentation de DMC sur les muscles et je lui en suis très reconnaissante. Cet exposé était révélateur, intéressant et informatif. Les élèves ont appris une foule de choses. Leurs nombreuses questions en sont la preuve. Grâce à cet exposé, les élèves savent maintenant ce que sont les muscles et à quoi ils servent. On explique les maladies neuromusculaires en termes pratiques et faciles à comprendre. C'était vraiment intéressant pour les élèves de voir à quoi peuvent ressembler les maladies neuromusculaires. Le message est clair. Les personnes avec et sans maladies neuromusculaires peuvent faire les mêmes choses. Il leur faut tout simplement plus de temps, de pause, d'outils et de soutien. J'ai beaucoup aimé qu'on mette l'accent sur les stratégies que les élèves peuvent emprunter pour aider leurs amis. C'était un message de bonté et de soutien. Merci, DMC, pour une présentation des plus merveilleuses. Grâce à Dystrophie Musculaire Canada, j'ai eu beaucoup de support psychologique et physique durant les moments les plus difficiles dans ma vie. Je remercie infiniment Madame Evie et Véronique qui continuent à me supporter à ce jour, ainsi aux bénévoles, les anges de Dystrophie Musculaire Canada. Bonjour, je m'appelle Darren Mulligan. Je suis accompagné de mes fils Isaac et Jacob.
tous deux sont clients de DMC depuis 17 ans. Nous avons toujours pu compter sur les vastes connaissances du personnel de DMC pour répondre à nos questions sur la vie quotidienne des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Merci, Dystrophie Musculaire Canada. Vous êtes formidable. Bonjour, mon nom est Diane. Je suis la conjointe de Réal Widom. Grâce à Dystrophie Musculaire Canada et son personnel, dont Mme Véronique Pinchot, nous avons obtenu une écoute, des encouragements et un soutien sincère lors de nos appels. Un gros merci pour le soutien technique en tout temps. Wow, c'est incroyable. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé vos histoires. La recherche est un élément tellement important pour donner de l'espoir aux familles qui vivent avec un diagnostic de maladie neuromusculaire. La vice-présidente recherche et relations publiques de Dystrophie Musculaire Canada, Dr. Omira Osman, se joint à nous pour nous parler du travail que DMC est en mesure de faire grâce à des supporters comme vous pour soutenir la recherche et la communauté des chercheurs. Merci, William. DMC est une source canadienne de financement dédiée à la recherche sur les maladies neuromusculaires. En dépit d'une période sans précédent et grâce au soutien de la communauté de la dystrophie musculaire, DMC a été en mesure de maintenir l'élan et de s'assurer que les progrès incroyables qui ont eu lieu actuellement dans la recherche sont accélérés. En fait, il y a quelques semaines à peine, nous avons annoncé le financement de 7 nouveaux projets de recherche et que nous serons en mesure de poursuivre notre soutien à 12 études de recherche existantes. Au cours des 5 dernières années, DMC a consacré 6,55 millions de dollars à des initiatives de recherche. Nous savons que la recherche de connaissances fait partie du parcours d'une maladie neuromusculaire, que vous soyez à la recherche d'essais cliniques, de mise à jour de thérapies et de traitements, que vous cherchiez à mieux comprendre un diagnostic, que vous appreniez à gérer et à faire face efficacement, il est essentiel de trouver les bonnes informations fondées sur des preuves. Grâce à de généreux donateurs, DMC a pu prendre les résultats de la recherche et passer de la théorie à la pratique. Nous aidons à communiquer les résultats de recherche à ceux et celles qui en ont besoin, en partageant avec eux l'information d'une manière conviviale et accessible. Nous plaidons pour des changements de politique qui auront un impact positif sur les personnes vivantes avec les MNM, tels que l'accès équitable et rapide aux médicaments et aux thérapies innovantes. Nous contribuons à faciliter les partenariats afin que l'expérience vécue des Canadiens et des Canadiennes atteints de maladies neuromusculaires soit à l'avant-garde des soins cliniques et de la recherche. Au cours de l'année écoulée, nous avons lancé une série de webinaires qui nous a permis de partager des informations fondées sur des données probantes avec notre communauté. Nous avons également pu organiser la toute première conférence virtuelle qui a touché plus de 1000 personnes partout au pays. Nous avons également développé un diagramme de décision pour les vaccins COVID-19 et nous continuons de plaider afin de changer les choses pour le mieux. Nous faisons des représentations afin d'assurer un plus grand accès au traitement, établir des protocoles de triage pour la COVID-19 et encourager des évaluations virtuelles pour les aides techniques. Pour que vous puissiez accéder facilement aux informations liées à la recherche, nous avons lancé une ligne d'assistance téléphonique sur la recherche afin que vous puissiez téléphoner ou nous envoyer un courriel pour recevoir les informations dont vous avez besoin. Mais ce qui nous emballe le plus, c'est que pour la première fois, la communauté des MNM a vu des traitements devenir disponibles pour certaines MNM. Grâce à la recherche, les personnes atteintes de MNM bénéficient d'un meilleur diagnostic, ce qui est essentiel pour accéder rapidement aux traitements lorsqu'ils sont disponibles. Vous entendrez certains membres de la communauté à ce sujet aujourd'hui. DMC croit que le savoir est capital. Et bien que les parcours neuromusculaires puissent être différents, grâce à votre soutien, nous sommes en mesure d'améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes touchés par les maladies neuromusculaires. Nous sommes en mesure d'accroître le pouvoir collectif de la communauté et d'entrevoir la guérison dans un avenir rapproché. Merci pour tout ce que vous faites pour que nous puissions faire des avancées incroyables. Amusez-vous bien aujourd'hui lorsque vous marchez ou roulez. Merci, Omira. Grâce à la recherche, de nombreuses personnes atteintes de maladies neuromusculaires en obtiennent enfin le diagnostic pour la toute première fois. Cela peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes, mais pour Jenna Kendall, cela veut dire qu'il existe un traitement. Bonjour, Jenna. Bienvenue à la Dystromarche virtuelle. Racontez-nous votre parcours. Bonjour, je m'appelle Jenna. Je suis de Shawville, au Québec. Je suis tellement contente d'être des vôtres. Merci de l'invitation. Je suis heureuse de vous parler de mon parcours, de mon diagnostic. Vivre avec une maladie rare.
J'ai été diagnostiquée pour la première fois en 1997 avec une dystrophie des ceintures sous-type inconnu. Cela signifie simplement que les médecins étaient incapables de déterminer ce qui causait la détérioration de mes muscles. En 2019, un ami d'un groupe Facebook a partagé avec moi un article de recherche intitulé « La myopathie ressemble à la dystrophie des ceintures ». Pendant 23 ans, j'espérais obtenir un diagnostic du type de dystrophie des ceintures. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'était si important. Pour vous qui n'êtes pas familier avec la dystrophie des ceintures, sachez que le diagnostic est une exigence clé à satisfaire pour être admissible aux études et aux essais cliniques. Les médecins doivent savoir précisément à quoi ils sont confrontés. Le titre de l'article a tout de suite attiré mon attention. J'ai lu et relu cet article, et bien qu'il ne correspondait pas à mes antécédents médicaux, il s'y trouvait assez d'informations pour que je me pose des questions. J'ai donc décidé de partager cet article avec mon médecin, qui a accepté de faire des analyses sanguines pour dépister une maladie auto-immunitaire. 6 semaines plus tard, nous avons obtenu un diagnostic. Elle m'a convoqué dans son bureau et elle s'est empressée de me dire que je n'étais pas atteinte de dystrophie des ceintures, mais bien d'une maladie auto-immunitaire. Alors, si je ne savais pas jusque-là de quel type de dystrophie j'étais atteinte exactement, j'ai appris ce jour-là que je n'étais pas atteinte de dystrophie, mais que je souffrais tout de même d'une maladie neuromusculaire, sauf qu'elle est auto-immunitaire et non génétique. Je continue donc de faire partie de la famille DMC et heureusement pour nous deux, nous pourrons rester en contact pendant de nombreuses années. Ceci dit, je suis une vraie militante. Je vous soutiens et je vous encourage tous à lire des articles parce que nous savons tous qu'en ayant une maladie rare, nous pouvons être les seuls patients de nos médecins de famille à avoir pareils symptômes ou diagnostics. Je crois vraiment qu'en partageant de l'information, les gens peuvent trouver des réponses dont tous peuvent bénéficier. Il est également important de se rappeler que la recherche se poursuit. Je suis donc heureuse de continuer à soutenir la recherche et je fais partie du Conseil consultatif des patients de l'hôpital d'Ottawa où je partage mon histoire sur ces réseaux. J'ai aussi récemment commencé à travailler avec le réseau des maladies neuromusculaires du Canada et je suis l'une de leurs conseillères pour patients en matière de recherche. J'attends la suite avec impatience. Permettez-moi de remercier les chercheurs du monde entier de tout ce qu'ils et elles font pour épauler les médecins qui ne peuvent que diagnostiquer les maladies, les états de santé que les chercheurs découvrent. Merci aux médecins, merci aux chercheurs et merci à Dystrophie Musculaire Canada qui nous rassemble en une communauté. Je vous souhaite une bonne journée, marchez, roulez d'un océan à l'autre. Au plaisir de vous revoir lors du prochain événement. Merci. Merci, Jenna, d'avoir partagé cette histoire et pour votre travail de sensibilisation et d'éducation. Jenna participe à la Dystromarche depuis 2007 et on m'a dit que nous avons un certain nombre d'équipes et de participants de longue date ici avec nous aujourd'hui. Merci à l'équipe Anderson du Manitoba, à Kais Guys and Gals en Alberta, à Galactic Empire en Nouvelle-Écosse et à Ross's Royals en Colombie-Britannique de votre soutien. Passons maintenant à un nouveau membre de la famille de Dystrophie Musculaire Canada. J'ai le plaisir de vous présenter Liliana Wild.
Le père de Liliana a récemment reçu un diagnostic de maladie neuromusculaire et elle a contacté DMC pour obtenir du soutien. Nous savons tous que les maladies neuromusculaires n'ont pas seulement un impact sur la personne diagnostiquée, mais aussi sur la famille, ses amis et ses proches. Joignez-vous à moi pour accueillir la talentueuse chanteuse-compositrice Liliana Ward. Bonjour, je m'appelle Liliana et mon père a été diagnostiqué avec la dystrophie facio-scapulo-humérale en 2014. La période précédant le diagnostic a été vraiment difficile et isolante pour lui et notre famille. C'était une série interminable de rendez-vous chez le médecin sans pour autant obtenir de réponse de diagnostic ou même de faux diagnostic jusqu'à ce qu'on découvre enfin qu'il avait la DFSH. Peu de temps après, nous avons découvert DMC et c'était tellement agréable d'avoir une communauté et quelqu'un pour répondre à nos questions. Le travail que DMC fait pour les familles, les patients et les soignants est tellement important et nous sommes si reconnaissants d'avoir trouvé cette organisation. Merci DMC, nous apprécions énormément le travail que vous faites. Coucou, c'est Liliana et Midnight Village. Nous allons interpréter une de nos compositions intitulée Catch a Flight. You're headed back to the coast. You take a little piece of me where you go, go, go. You left your scent on my clothes. Couple more months, I don't know if you're coming home. I'm here, you're there, we're both alone. We say goodnight over the phone. It's not enough, 'cause I need you close. Catch a flight through the night, I'll be there in a minute. Tell me now, say it loud, it's my love that you're missing. 'Cause it's your love that I'm missing. This bed is cold and it lay. Merci Liliana d'avoir partagé votre récit et votre musique. Pour les familles telles que celle de Liliana qui est touchée par des troubles neuromusculaires, la recherche leur donne espoir pour l'avenir. Pour la toute première fois, nous constatons qu'il y a des traitements pour certaines maladies neuromusculaires. Notre prochaine invitée, Caroline Lapointe, est atteinte d'amyotrophie spinale et est l'une de celles qui a pu obtenir un traitement. Écoutez bien Caroline, elle a une histoire à vous raconter. Bonjour, je m'appelle Caroline Lapointe et je suis membre de Dystrophie Musculaire Canada. Je suis honorée qu'on me donne l'occasion de vous parler aujourd'hui de ce qui est le plus important pour moi, ma santé. C'est souvent quand on la perd malheureusement ou encore qu'on a peur de la perdre qu'on réalise combien c'est précieux. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 ans maintenant, j'ai franchi les portes de l'hôpital avec fébrilité. D'habitude, quand j'y vais, c'est plus avec appréhension, inquiétude. Mais cette fois-là, c'était différent. J'ai franchi les portes de l'hôpital avec le sentiment que la vie me donnait une deuxième chance. Pourquoi? Parce que des scientifiques ont cherché et ont trouvé un médicament pour moi et pour déjouer l'évolution de ma maladie. C'était pas de la science-fiction, c'était dans la vraie vie, près de chez moi, et c'était accessible. Incroyable.
Ce médicament-là, c'est le Spinraza, et ma maladie, c'est l'amyotrophie spinale de type 2. Vous dire combien l'annonce de l'existence de ce médicament-là a changé ma vie. Quand j'ai su qu'il existait, j'espérais tellement pouvoir y avoir accès. Et c'est maintenant chose faite, depuis 2 ans. Je peux maintenant arrêter d'avoir constamment peur, peur de perdre la force, peur de perdre de l'autonomie, peur de perdre des acquis. En 2 ans, j'ai gagné de la force. J'ai gagné de l'énergie. Je finis plus mes journées avec l'impression de manquer de carburant. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. J'ai plus de force au niveau de mes bras, ce qui me permet de soulever un verre plus facilement, de boire sans paille, et même de manger un burger. Ça, c'est compliqué quand on manque de force. C'est des choses de la vie quotidienne qui font une grosse différence pour moi. Il y a ma capacité respiratoire aussi qui s'est améliorée. Et ça, c'est un miracle, parce que le souffle, c'est la vie. Le Spinraza, pour moi, ça m'a donné non seulement de la force musculaire, mais aussi de l'espoir. L'espoir que les choses s'améliorent. Je peux regarder au loin pour la première fois. Je peux me projeter dans l'avenir. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, je continue d'espérer. Espérer faire encore des gains. Et puis, je fais mes exercices pour aider Spinraza à m'aider. Alors, en cette journée de Distromarche, c'est important pour moi de vous remercier pour votre dévouement et pour votre engagement aussi pour cette cause qui fait une grosse différence pour moi. Alors, merci aux participants, merci aux donateurs et merci aussi aux champions de la recherche. Vos efforts comptent plus que vous ne l'imaginez. Merci beaucoup. Merci Caroline d'avoir partagé votre histoire. Le financement continu de la recherche est vraiment important pour entendre plus d'histoires comme celle de Caroline. Nous ne pourrions pas y arriver sans les efforts de collecte de fonds des participants à la Distromarche et des communautés qui les soutiennent. En voici quelques-uns. Allons leur parler. Bonjour, nous sommes la famille Minot et membres de l'équipe Christopher à Niagara. Nous participons à la Distromarche depuis maintenant 11 ans. La Distromarche ne serait pas un succès, ne serait-ce que de nombreux donateurs, de notre famille, de nos amis, des pompiers et de la communauté. Merci beaucoup pour votre générosité et votre soutien. Bonjour du sud-est de la Saskatchewan. Je m'appelle Kelly et moi Quinn. Nous faisons partie de l'équipe W5, soit la famille Wilton. Nous faisons notre part pour DMC depuis 2009 et nous participons à la marche de Regina depuis 7 ans. Nous croyons que nous bénéficions tous de la levée de fonds et de la défense des intérêts de la communauté. Nos efforts portent fruit grâce à l'amour et au soutien inconditionnel de notre famille, de nos amis et de notre communauté. L'amour règne dans les petites villes de Saskatchewan. Et même si nous ne pouvons pas nous rassembler, nous pouvons tout de même participer à la Distromarche. Bonne marche tout le monde! Nous sommes membres de l'équipe Sparks et nous participons à la Distromarche depuis plus de 15 ans. Nous n'aurions pas connu un tel succès sans le soutien de nos donateurs, de nos commanditaires et de la communauté. Merci beaucoup pour votre générosité. Nous sommes l'équipe Malik, Fighting 53. Nous participons à la Distromarche pour la 6e année. Nous ne pourrions le faire sans le soutien de nos donateurs et de notre communauté. Merci beaucoup de votre générosité. Bonjour à tous, nous sommes de l'équipe Devotion to Motion et c'est la 8e année que nous participons à la Distromarche. Au nom de tous ceux qui amassent des fonds pour DMC, merci aux donateurs et à la communauté qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Je trouve inspirant de rencontrer toutes ces équipes et d'entendre parler du soutien qu'elles reçoivent de leurs amis, de leur famille et de leur collectivité. Merci à tous et à toutes. Et maintenant, j'aimerais vous présenter des pompiers talentueux et leurs amis. Veuillez accueillir John Sobey, Al Lemieux, Scott Marks et Michael Mitch du groupe Dirt Road.
c'était génial. Merci. C'est tellement stimulant de voir l'énergie des pompiers qui appuient Dystrophie musculaire Canada. Nous approchons de la fin de notre spectacle aujourd'hui. Mais d'abord, nous avons une grande annonce à faire. Stacy, êtes-vous là? Je suis là, Will. Et j'ai tellement hâte de vous dire à tous le total des fonds que nous avons pu amasser grâce à leurs efforts incroyables et à leurs dons. C'est le temps pour un roulement de tambour, s'il vous plaît. Nous savons que bien des équipes vont tenir leur distromarche dans les semaines à venir et que nous recevrons d'autres dons. Mais je suis ravie de vous annoncer que la distromarche 2021 de la Fondation Tenaquip a déjà amassé... Merci à tous les participants, donateurs, supporters, bénévoles, pompiers, amis, partenaires, commanditaires et employés. Cette levée de fonds ne serait pas possible sans votre engagement envers la communauté des personnes atteintes de MNM. Du fond du cœur, merci. Incroyable! Malgré une pandémie mondiale et le fait que vous ne pouvez pas faire du porte-à-porte, vous avez tous et toutes fait preuve de dévouement et de passion pour y arriver. Merci à nos commanditaires, la Fondation Tenaquip, Roche et Robitaille Equipment Inc. et notre partenaire Media Global, et à vous tous qui avez pris le temps d'envoyer des courriels, d'annoncer la distromarche sur les médias sociaux et de demander aux membres de votre famille, à vos amis et à vos voisins de faire un don. Merci! Ce résultat n'aurait pas été possible sans vous et on ne vous remerciera jamais assez pour tous vos efforts. Aujourd'hui, lorsque vous participerez à la distromarche, faites-le la tête haute, car vous avez contribué à changer la vie des Canadiennes et des Canadiens partout au pays. Notre événement se termine bientôt, mais avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à immortaliser cette journée avec des photos, des vidéos, des publications sur les médias sociaux. N'oubliez pas d'utiliser nos hashtags pour vous assurer que nous voyons vos messages et que nous pouvons les partager. Continuez à faire passer le message, continuez à sensibiliser les gens, continuez à faire tomber les barrières. Merci à tous ceux qui ont rendu cette journée possible. Il est temps de sortir et de marcher ou rouler ensemble. Maintenant, laissons la place à nos amis du service d'incendie de Regina. Bonjour, je m'appelle Carl Adam et je suis membre du fonds DM de l'Association des pompiers professionnels de Regina. Je vous présente la charmante Cindy Strong, membre de notre section locale de dystrophie musculaire. Nous vous remercions tous et toutes du fond du cœur de soutenir une cause aussi noble. Il fait beau et très chaud à Regina aujourd'hui. Tu es prête, Cindy? Allons-y et marchons ensemble!